Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Crew Motorfest sur la version bêta fermée. J'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que j'avais pas prévu d'avoir un accès à cette bêta. On va démarrer en espérant que ça marche, que les serveurs fonctionnent. On va se découvrir le jeu et puis pour le jeu final à la sortie, puisque de toute façon j'avais prévu de l'acheter, on se fera une vidéo, mais pas une découverte quoi. On ira un peu plus loin dans le jeu et puis je vous ferai une autre vidéo. On trouvera autre chose à faire. Et là, on va se découvrir ça gentiment. Rassemblez-vous tous par ici. On fait une photo. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on choisit un perso? D'accord, bon allez, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. On peut le personnaliser, mais on va pas perdre de temps avec ça pour la bêta. Je sais bien que vous avez hâte. On va découvrir le jeu. Un hélico laisse rarement indifférent. Alors, soyez les bienvenus au Motorfest. Je suis Malou, et je vais vous faire le topo. Je suis là en tant que représentante du festival. Nous vous avons conviés ici, athlètes, festivaliers et amateurs de voitures, dans le majestueux archipel d'Hawaï. Nous sommes ici sur le site du festival, mais en réalité, nous avons aménagé l'île tout entière rien que pour vous. On a créé un endroit où vous pouvez tout piloter. Des véhicules emblématiques aux voitures super customisées. C'est une célébration de la culture automobile conçue avec passion par Motorfest. Ces petits bijoux, nous, on les appelle les playlists. Et je ne fais pas que lire ce qui est écrit sur l'appli, je les ai essayés moi-même avant votre arrivée et... Attendez, je vais vous montrer. Cette playlist, c'est une expérience unique du Motorfest. Elle s'appelle Made in Japan. Ah, bon. On va commencer à jouer. Je vous ai laissé profiter du son. Alors là, on est en mode résolution parce qu'il y a deux modes. Il y a un mode résolution, un mode framerate. Je voulais voir ce que ça donne comme ça. On va changer de caméra. Vous savez que moi, j'aime pas trop... en général, je préfère cette caméra en capot. J'aime pas trop la vue extérieure. On est sur PS5, j'ai oublié de le dire. C'est plutôt pas mal visuellement quand même. On va pas se mentir. Ouais. J'ai freiné trop tard avec la nitro à fond forcément. Voilà. À ses avantages et essayer ces playlists pour vous en fait clairement partie. Bon, c'est plutôt sympa visuellement déjà, en tout cas là c'est coloré. Sensation garantie. Pour l'instant, en termes de gameplay, de toute façon vous vous en doutez, c'est pas une simulation. Mais après, il faudra voir avec plusieurs véhicules évidemment. Il y en aura à peu près 600, il me semble. Et vous pourrez, pour ceux qui ont beaucoup joué à The Crew 2, vous pourrez récupérer votre garage de The Crew 2 pour The Crew 3. Donc ça peut être sympa aussi. On va mettre un coup de boost, on va les niquer. On regardera la vue intérieure aussi après, parce qu'il y a une vue intérieure. Et en plus de ce que j'ai pu voir, j'ai regardé une ou deux petites vidéos.
Il y a des animations, des mains sur le volant, tout ça, ils ont vachement vachement poussé le truc. Il y a une main qui passe par-dessus l'autre, etc. Enfin... Alors vous m'excusez pour mon nez, je fais ce que je peux, mais comme d'hab, quand je suis pris par des allergies, c'est mort. On a aussi ça, ok. Donc, caméra intérieure. Alors après, là ça ressemble beaucoup à Forza Horizon. Après, sauf que vous l'avez vu, on a des motos. On a aussi toujours les bateaux et les avions. J'ai quand même lu, enfin entendu. Un truc qui est quand même d'une mauvaise foi extrême, de « Oh non, ça ressemble pas à Forza Horizon, parce que les mecs qui bossent sur ce The Crew, ils ont bossé sur Test Drive Unlimited, et Test Drive Unlimited, c'est sorti avant Forza Horizon. Enfin, » ça change rien au fait que là, en termes de style, avec la nana qui te parle comme ça, le festival, et tout ce qu'on te donne là, ça ressemble quand même beaucoup à Forza Horizon. Mais bon, le gars en question, dès qu'il faut parler d'un truc Microsoft, il en parle systématiquement en mal, donc... Je suis pas étonné. Il en parle systématiquement en négatif. Donc je suis pas trop étonné. En tout cas, pour l'instant, c'est assez sympa. Même visuellement, franchement. C'est assez joli quand même. Et puis Hawaï, c'est cool. Ça change des États-Unis, ça va être plus petit. Mais j'aime autant une map plus petite où c'est plus détaillé, où il y a plus de choses à faire. Et qui est assez stylé visuellement, parce que franchement, après c'est un Hawaï un peu de rêve. Hein. Mais moi je trouve ça. Je trouve ça cool. Attendez, je vais juste bouger un peu le micro. Là on peut voir un peu. Un peu tout ce qu'on va avoir dans le jeu. Donc ça aussi c'est une intro plutôt cool, parce que j'aime bien les jeux où il y a ce genre d'intro, parce que ça vous permet de voir un peu tout ce que vous allez avoir tout le long du jeu. Je me suis mis en intermédiaire sur la difficulté, etc. aussi. Il propose trois trucs au début. J'ai mis l'intermédiaire. Après là bon, on a l'usure des pneus, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas une simulation. Donc là, on n'est pas dans un F1 2023, hein, clairement. Et la prise de décision sous pression. Alors, j'ai rechangé un petit peu de caméra, histoire de faire plaisir à tout le monde. Alors, vous allez peut-être entendre un peu la manette, parce qu'il y a les vibrations. Les vibrations et les gâchettes adaptatives. Ok. Donc ça vibre pas mal. Même quand on freine et tout, et puis il y a des sensations dans les gâchettes et tout. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait avec la manette de la PS5 à ce niveau-là. Ça pourrait paraître gadget, mais vous voyez, ce The Crew, je vous le ferai pas sur Xbox, je vous le ferai sur PS5. Parce qu'effectivement, c'est pas un indispensable, mais quand t'as le choix et que t'as les deux plateformes, bah c'est un petit truc en plus. C'était cool d'être la championne, mais par la suite. J'ai eu droit à du old school. Vintage Garage. Il s'agit d'une playlist pour les vrais passionnés de voitures. On a les musiques aussi, plutôt cool. Ah oui, puis on n'a pas de GPS. Alors, il y a un mode streamer aussi qui enlève les musiques sur lesquelles on va vous emmerder avec les droits. Vu que je monétise pas mes vidéos, je m'en tape, donc j'ai pas mis le mode
le mode streamer. C'était un véritable défi, mais dans le meilleur sens du terme. À part dans un parking de collectionneurs, j'ai fait un peu n'imp là. L'occasion de faire un tour avec ces véritables légendes. Ah, je vais me remettre ma caméra. C'est ça le pouvoir de Vintage Garage. Ah, c'est plutôt joli en plus, hein. Franchement, les décors et tout, il y a un vrai gap. La magie d'une époque où il n'y avait pas de nitro. Avec le précédent. Ni de GPS pour nous guider. C'est étrangement réconfortant. Et puis. On a, d'habitude, on a vraiment que Forza Horizon. Dans ce type de jeu qui est très joli et tout. Là, au moins, on a un autre jeu qui visuellement on voit un petit peu. Il y a une différence, hein, je vous l'ai pas dit, mais vraiment entre les véhicules, même si c'est pas une simulation, on a quand même là une différence entre les véhicules. Voilà, en plus on a des musiques de ouf. Oh là là. On a des sacrées bagnoles. Une playlist parfaite pour découvrir l'iconique, la pionnière. Je suis à court d'adjectifs là. Oh là là. Ah ouais, on a des sacrées caisses. Vous avez compris quel genre de playlist ça allait être en voyant le logo Lamborghini. Certains des designs de voitures les plus mémorables de l'histoire sont à votre disposition. Truc de malade. Bon là encore, on sent la différence avec la voiture d'avant évidemment, mais encore une fois, on n'est pas sur de la simu. Hein. Que ces voitures. Préparez-vous à vivre une course à travers l'histoire. Donc ça se prend en main tout de suite. Des décennies de puissance et d'innovation. Bon, j'avais déjà décidé de toute façon de l'acheter. Un privilège vraiment exceptionnel. Un privilège que le Motorfest m'a gracieusement accordé. Mais là, ils sont en train de me convaincre. De réellement passer à la caisse. En plus, on a de la nitro sur une bagnole qui roule déjà vite. Après, en plus, il y aura évidemment de la personnalisation de véhicules, etc. Je sais pas si on pourra le voir dans cette vidéo, mais au pire, on le fera sur la version finale. De l'iceberg. Mais il faut pas brûler les étapes. Allez, suivez-moi. Alors, on a conduit que des voitures de ouf. Tout ça, c'est l'âme du Motorfest. Mais on va commencer avec une voiture pourrie. Surtout des bonnes vibes. Enfin, pourrie. Vous aurez bientôt l'occasion d'explorer le festival. Par rapport à ce qu'on a conduit là. N'oublions pas qu'on est à Hawaï quand même. Il n'existe pas de meilleur endroit pour toutes ces preuves. Pour pouvoir exprimer son style et customiser son véhicule. Un vrai melting pot motorisé. Suivez-moi. Il vous reste le clou du spectacle à voir. Votre voiture, bien sûr. Ouais. Allez, venez. Et avec ce que je viens de conduire là, je pense que le clou du spectacle, ça va être un peu la déception, mais bon. Quand vous aurez choisi votre voiture, je vous confierai à Kara, votre IA et assistante personnelle. En cas de doute, vous pouvez toujours compter sur elle pour... Alors... On peut voir les détails. Un petit Z4, une S2000... Ah, la S2000 avec le moteur VTEC, elle a un son, ma parole. Si vraiment ils ont repris les sons comme il faut, elle fait un bruit.
Une Mustang Fastback, j'adore la Mustang. Bon, ça va finalement. Ah, la S2000, ça fait un son de ouf, mais je pense qu'on va prendre la Z4 pour cette bêta. Je sais pas si on a tous eu la même proposition ou si c'est un peu au pif, trois véhicules. Trois véhicules de même classe ou de classe à peu près équivalente pour tout le monde, mais pas forcément les mêmes, ou je ne sais pas. Bonjour pilote, je m'appelle Kara. Laisse-moi t'aider à choisir une playlist. Made in Japan. Drift sur l'asphalte au milieu des néons dans un voyage à travers la culture automobile japonaise. Hawaï, okay. C'est le tour. Découvre, explore et photographie les charmes cachés et la beauté captivante d'Hawaï. 911 Legacy, a Porsche Story. Découvre le véritable héritage de Porsche et garde ses voitures iconiques en parfait état. Ok, Hawaï, on va faire ça, tiens. On va aller explorer un peu l'île et prendre des photos. Nouvelle playlist en vue. On y va. Nous sommes très fiers et reconnaissants de te présenter la plus hawaïenne de toutes les playlists. Son cœur est entièrement composé de montagnes, de jungles. Oui, bah on va faire ça. Allez, on va mettre sa playlist là. Après, on est évidemment sur un jeu en ligne. Il y a du joueur contre joueur, etc. aussi. Je crois qu'il y a des trucs à 32. Bon, j'aime bien la manière dont ils nous présentent les épreuves, les trucs. En route pour l'Hawaï Scenic Tour. Bon. Ouais, après, honnêtement, enfin, je vais le dire encore, mais ça fait vraiment. Là, en tout cas, dans le truc, ça ressemble vraiment à ce qu'on a dans Forza Horizon. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose pour autant? Bah non, en fait. Une autre activité t'attend. Tu as dû le sentir dès ton arrivée. Cette île est particulière. Comme il n'y a aucun endroit semblable à travers 5 océans, le Motorfest a conçu une expérience centrée sur Hawaï. Parce que moi, honnêtement. The Crew 1, avec ce scénario là, digne d'un Fast and Furious, là, avec le frère qui se fait tuer et machin, et voilà, ça m'a saoulé. Moi, ça me saoule dans les jeux de voiture, ce genre de truc. J'achète pas un jeu de voiture pour ça. Ouais, bah, allez, on y va comme ça, on verra bien. Véhicule prêté. Ford GT, midi, il y a du soleil visiblement, enfin en tout cas il n'y a pas de pluie. On va se faire une petite course.
Bon, c'est plutôt sympa, franchement. J'aime bien. J'aime bien, et comme je vous le disais, j'étais déjà assez convaincu à la base. Mais là, ouais, je vais l'acheter. Et on se fera au moins une vidéo. Je vais pas vous en promettre plusieurs parce que avec tout ce qui va sortir après en septembre, en octobre, etc. Je vais pas vous promettre plusieurs vidéos sur le même jeu parce qu'il faut avoir le temps après. Mais en tout cas, une chose est sûre. C'est con. On en reparlera dans la version finale du jeu, ça c'est clair. Tu n'as pas à gagner pour débloquer les courses suivantes. Alors, profite du voyage. La victoire est juste un bonus. Ouais, mais si on peut le prendre, le bonus et gagner, on va gagner. Présentation de Motorfest Ground. Où que tu sois sur ce circuit, tu ressentiras la... Ça me perturbe d'avoir le changement de caméra sur la petite flèche de droite là. J'aurais préféré que ce soit sur un L1 ou un truc comme ça là. J'ai l'impression que je les ai mis loin un petit peu. Sur ta gauche, la plage idéale pour parfaire tes skills dès que tu en as envie. Je pense que la difficulté intermédiaire, ou alors c'est parce que c'est la première course, peut-être aussi. Hein. Mais peut-être monter la difficulté. Parce que normalement, on est censé avoir des voitures de même catégorie, donc. Donc là. Tu connais ce volcan, c'est le Karmit. Lieu de rassemblement, custom show. Activité du main stage, tu as déjà eu le topo, n'est-ce pas? Ouais, tais-toi un peu. Après, ça c'est un truc, par contre, si ça vous saoule, c'est peut-être pas fait pour vous, hein, parce que je pense que ça va discuter comme ça beaucoup. Hein. Comme dans un Horizon, justement, où, voilà, c'est... C'est pas du tout... Pas du tout des jeux sérieux, réalistes, machin. Là, c'est des jeux où il y a une ambiance, où il y a un truc, et bah tout ça, les dialogues et tous ces trucs-là, ça fait partie de l'ambiance. Donc si c'est le genre de truc qui vous saoule... Bah, n'achetez pas ce jeu. Moi, je préfère large ça au premier, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que moi, le scénario à la Fast and Furious, là... Puis après, il y avait le téléphone qui sonnait tout le temps, là, alors qu'on était dans un open world, on avait une map énorme, mais... Le téléphone, toutes les 3 secondes, qui sonnait, viens m'aider à faire ça, viens faire ceci. Puis quand on y allait pas, il ressonnait pour nous redire, en fait, je t'ai dit qu'il fallait faire ça. C'était un peu chiant. Moi, je suis très content qu'on ait tourné vers autre chose. Hop. C'est la fin de notre tour du Motorfest Ground. Je pense toujours que cette course était un peu trop intense pour cette playlist. Que dirais-tu de commencer un Hawaii Scenic Tour, un voyage plus détendu à travers toute l'île? Ah, je sais pas, mais en tout cas là, j'ai gagné. Cette fois. On va voir ce qu'on récupère quand on gagne. On va déjà reprendre l'XP. Donc on prend des récompenses à chaque fois qu'on atteint un niveau. On a des bucks, ça c'est de l'argent, comme on avait dans les précédents. J'ai vu que j'avais déjà 118 000. Là, on va peut-être pouvoir... Félicitations pilote, on passe à la prochaine. Allons à la rencontre de Keola. Né et ayant grandi à Hawaï, il connaît ses terres comme sa poche. Il adore partager la culture, l'histoire et la beauté de son île. Tout d'abord,
Voyageons vers l'est. Entre bord de mer, montagnes époustouflantes et chutes d'eau sauvage. Après, ouais, on a là aussi, on a des trucs, mais là, je suis désolé, mais je vais pas le faire. On avait ça aussi dans les précédents. On a des trucs qui apparaissent comme ça. Bon, c'est bien parce qu'ils nous ont mis les autres joueurs en transparent, quoi, en effet fantôme un peu. Comme ça, on se rend pas dedans. Ça, c'est plutôt intelligent. Hop, on va faire demi-tour parce que c'est de l'autre côté qu'on devait aller. Par contre, j'aimerais bien qu'ils m'enlèvent les... Ça, c'est la carte. Vous voyez un peu, elle est quand même assez grande. Hein. Après, on va me dire qu'elle est plus petite que dans les précédents. Mais moi, perso... je la trouve bien assez grande comme ça. Vous voyez quand même qu'on est tout en bas. Il n'y a pas moyen dans les options, par contre. Améliorer. Ah, là, j'ai pas de nouvelles pièces, mais bon, on peut regarder comme ça vite fait. Customiser, qu'est-ce qu'on peut faire? Pièce esthétique. Après, sur une bagnole comme ça, j'ai pas trop envie de faire des trucs de cake non plus, parce que c'est déjà une super belle bagnole à la base. Vanité, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour faire des... Ok. Bon, vous voyez qu'on va pouvoir faire pas mal de trucs. Réglage pro, tiens. Ah ouais, donc... Vous voyez qu'on peut quand même toucher au freinage, à l'équilibrage, à tout ce qui est aérodynamisme, suspension, etc. Donc on peut quand même toucher même au carrossage, on peut toucher à pas mal de choses. Donc malgré tout, c'est un jeu qui est assez arcade, mais il y a quand même pas mal de trucs. Moi, ce que je veux juste voir, conseil des touches, là, voilà, ça dégage, parce que c'est affiché tout le temps, c'est un peu chiant. Merci. Et en plus, il y a les musiques qui s'affichent, si jamais vous voulez savoir un peu ce que vous écoutez. Vous vous dites, tiens, cette chanson a l'air sympa, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Non, bah écoutez, je vais pas faire tout ça à l'homme. Plutôt convaincu, plutôt positivement. On peut pas l'être négativement, mais j'ai un sentiment plutôt positif. Donc on va se faire ça. Et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Je pense que je vous en ai montré assez. Objectif, terminer l'épreuve. Lever du soleil. On aura des différents moments dans la journée. Je pense qu'on aura aussi de la pluie, des choses comme ça. En plus, ça, s'ils font comme The Crew 2, The Crew 2, il est sorti il y a 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, il y a encore des mises à jour. Et du contenu qui apparaît. Donc... Aloha et Naoha. Mon nom est Keola Nakai Kirapozo. Tu vas t'en souvenir ? Donc ça, c'est le genre de jeu, s'ils font du contenu comme ça aussi longtemps. Keola suffira. C'est plutôt cool. Je serais ravi de te raconter une histoire ou deux au passé. C'est un jeu sur lequel tu pourras revenir de temps en temps en te disant bah tiens, je vais revenir, je vais faire une petite partie, même si tu y jouais plus depuis quelques temps, je vais me refaire une petite partie et tu auras forcément des nouvelles choses, tu auras des épreuves qui seront apparues, du contenu, tu auras des choses. Donc c'est plutôt cool. Contente-toi de rouler et de kiffer. On va se faire cette épreuve et puis on s'arrêtera là.
Vous voyez, on est qu'à 11%, donc ça va faire assez long. On aura passé les 30 minutes de vidéo. Oh là là. Alors je vous préviens, il n'y aura certainement pas de vidéo la semaine prochaine. Parce que là, ça y est, c'est les vacances. Et c'est les vacances pour madame aussi, sauf qu'elle n'a qu'une semaine. Donc bah déjà, on va partir 3 jours. Et après, voilà, on va se caser un maximum de choses, d'activités, de trucs. Donc il n'y aura certainement pas de vidéo la semaine prochaine, le week-end prochain, tout ça. Parce que j'aurais peut-être pas le temps de tourner quoi que ce soit, puis peut-être pas envie non plus de le faire pendant cette semaine-là. On se retrouvera la semaine d'après. Je ne sais pas encore sur quoi, peut-être Crime Boss, on va faire un le jour 2. Parce que je vous ai fait le jour 1 en vidéo, on fera peut-être le jour 2. Tu me crois si tu veux. Voilà, elle est assez longue cette épreuve. On a le lever du soleil, donc les éclairages sont plutôt sympas. Ils ont bien bossé. Après, je crois que le jeu il sort que sur cette génération de consoles et sur PC. Il ne doit pas sortir sur PS4 et Xbox One. Donc ça aide aussi les mecs de pas avoir à sortir le jeu aussi sur des consoles qui ont 10 ans quoi. Un hôtel épique qui a malheureusement été détruit par un ouragan. Les palmiers qui bordent la route, c'est plutôt cool. Ce serait parfait pour la première photo. C'est bien parce qu'en plus on a quelques explications sur des trucs et tout en même temps là quand il parlait de l'hôtel qui a été ravagé et tout ça. C'est plutôt cool en vrai. J'aime bien ce style d'ambiance. C'est pour ça que je suis content que ce soit plus aux États-Unis. D'ailleurs, Hawaï, c'était la carte, si je me trompe pas, du premier test drive Unlimited, il me semble. Que c'était dans le premier, et je crois que c'était Hawaï. Est-ce que c'est un petit hommage ou pas, je ne sais pas. Vu qu'effectivement, chez Ivory Tower, c'est quand même une bonne partie des mecs qui avaient bossé sur les Test Drive Unlimited 1 et 2. Donc j'imagine bien que eux doivent en tout cas faire ça un peu en forme d'hommage. Mais c'est cool. Après, les marquages au sol, tout ça, je suppose qu'on peut les enlever. Par contre, ils sont loin derrière. Hein. Vraiment, je sais pas si c'est normal au début, la difficulté là. Mais enfin clairement, sinon vous mettez pas en intermédiaire. On va rechanger de caméra un petit peu, on va se mettre comme ça. Comme ça tout le monde est content. En fait, à chaque fois je fais ça dans les vidéos, j'essaye de montrer un peu toutes les vues. Il y a quelqu'un une fois qui m'est tombé dessus sur un test d'un Project Cars, je crois. En disant un vrai test, il se fait en vue intérieure. Il m'a dit le gars. Parce que dans la vidéo, j'avais placé des extraits avec toutes les caméras. J'avais fait vue interne, vue capot, vue route, vue externe. Enfin voilà, j'avais fait des extraits avec toutes les caméras. Et donc, d'après lui, c'était pas un vrai test parce que j'avais pas que des extraits en vue intérieure. Il y a quand même des gens qui sont vraiment abrutis. Une autre chaîne de montagne ? En fait, ça fait partie d'un volcan. Et c'est là qu'on va. Ah ouais, on va vers un volcan. Relax. Il dort depuis 2,5 millions d'années maintenant.
Ah, 2 millions et demi d'années, mais bon, si un jour elle se réveille, ça va piquer. Terre riche en ressources de l'ancien temps. C'est assez développé maintenant. Regarde ça. Ça donne envie de s'installer, hein. Je sais pas où sont mes adversaires, hein, honnêtement. Ils sont loin, loin, loin. Bon, je suis pas très fan de la vue extérieure, mais là, ça passe sur ce jeu. Bon, par contre, la vue extérieure éloignée comme ça, non, parce que tu perds encore plus de sensations. Donc, non. C'est pas la peine. On est bientôt arrivé. Oh, regarde le canyon de Mona. C'est ma partie préférée de ce parcours. Des falaises et des cascades. Si paisible. Ouais, c'est plutôt joli, encore une fois. Je trouve ça plutôt cool. Je dis pas grand chose, je vous laisse aussi profiter un peu du son. Et puis je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, hein. Je trouve ça cool. Et je vous confirme qu'on se retrouvera sur la version complète du jeu. Par contre, pour ceux qui joueraient à la bêta fermée, j'ai vérifié, les sauvegardes sont pas gardées, hein. Donc quand vous allez avoir la version finale, il faudra tout reprendre à zéro, évidemment. Voilà, votre sauvegarde de la bêta sera pas... Retour en free drive, ça s'appelle là, et pas free ride, mais bon, c'est la même chose. Bravo pilote, de nouveaux challenges t'attendent. Eh ben écoutez, c'était plutôt... Alors, comment était cette première exploration ? On peut casser ce mur, se mettre comme ça. Ouais, pour l'instant, ça c'est le menu, mais pour l'instant, j'ai pas de... Est-ce qu'il y a un mode photo ? Je ne sais pas. Bon, écoutez, c'était The Crew Motorfest pour une grosse vidéo quand même. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie et je vous dis dans quelques, pas jours, mais la semaine, dans 15 jours, je pense. À la prochaine. Salut à toutes et à tous.